Jeanne Vanesse, merci de nous accueillir ici au Musée de la photographie de Charleroi. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler des différentes expositions qu'il y a lieu ? Alors, nous avons trois expositions temporaires pour le moment ici au sein du musée. Une première qui est consacrée à Callahan, c'était un photographe américain, et on présente vraiment une petite partie de son œuvre. C'est pas une monographie, mais c'est une exposition qui montre ses clichés qu'il a réalisés à Aix-en-Provence. La deuxième exposition, elle a trait à la carte postale, cette carte postale qui a été détournée par des artistes contemporains. Et la troisième exposition, ben voilà, on est au cœur de l'exposition. Elle est consacrée à la télévision, à la RTBF plus précisément. Aussi, on peut le préciser que le musée est le plus vaste d'Europe. Oui, on peut se targuer d'avoir, en tout cas au niveau de sa superficie, puisqu'ici on a plus ou moins 6000 m² d'exposition consacrée donc à la photographie. Donc nous avons une collection qui reprend l'histoire de la photographie depuis le début 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, mais aussi une très belle collection d'appareils photo. Tout prochainement, vous allez fêter les 30 ans du musée. Voilà, l'aventure du musée qui a débuté bien avant 87, hein, puisque en soi, le musée est né, c'est vrai, en 1987, est venu s'installer ici dans l'ancien Carmel de Mont-sur-Marchienne. Mais l'aventure du musée, avant il y a eu la photographie ouverte, cette galerie qui a été l'initiative entre autres de Georges Vercheval et Pierre Darville, qui ont de manière très audacieuse monté des expositions dans les tout débuts des années 80, la première exposition 1981. Un Charleroi complètement sous chômage, où la culture, les gens, tout ce qu'ils voulaient, c'était avoir du boulot et c'était pas forcément d'aller voir une exposition. Ces deux personnages, entre autres, ils ont eu cette force de caractère de monter ces expositions, ce qui a donné naissance à ce musée aujourd'hui et donc qui fête ses 30 ans, on va dire de manière officielle, ici, le dernier week-end de juin. On prend date. Vous allez nous proposer quoi ? On va proposer toute une foule d'activités à trait évidemment à la photographie. Donc des ateliers, ateliers sac. On va pouvoir imprimer des choses à trait à la photographie. On aura des visites guidées. Alors pas des visites guidées classiques justement, c'est la fête. Donc des visites guidées blind test, des visites guidées anniversaire et des visites guidées carabistouille. Ou, comme on dit, il n'y a pas plus menteur qu'une photo, et bien là, ça sera le guide qui sera menteur. Super, merci Marie-Jeanne. Merci bien.